Oh Jésus, il pleut. On va se couvrir. Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé? Non! Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, monsieur, arrêtez! Vous me faites peur! Ah, j'ai du poison là, tu crois? 3, 2, 1, c'est le temps qui me reste à vivre. Triceratops! Ah ouais! Alors lui, est-ce que je peux pas lui donner à manger? Oh, il est trop mignon! Non! Ouais, on va dire que tu sais pas nager. Alors, tu sais pas nager? Ah si, tu sais nager. Moi, je sais pas nager par contre. Faut que j'ai le piolet pour ça, tiens. Allez, donne-moi ça, toi. Je prends tout, je donne tout. Salut! Ça te dépasse? Waouh, mais c'est trop beau ça. Mais qu'est-ce que ça mange ça? Des batteries? Des iPhones? Classe! Et toi, petite poulette, qu'est-ce que tu manges? Coucou, petit dodo! Non, mais il a un chapeau, mais pourquoi? Ah, parce que c'est l'anniversaire de Arc, je pense que c'est ça. C'est un dodo, hein, animal endémique de la Réunion. De baie. Il est où le petit? Il est là, tiens. Toi, hé, t'as faim? Petit, wouhou, petit, tiens. Oh, je l'ai, ouais! Jean-Mich, je suis désolé, mais là c'était vite. Donc alors j'ai fait un. Salut! Comment je fais maintenant? Je peux te caresser? Oh, je peux le chevaucher. Oh, ça c'est classe. Attention! Mais ça va, il est. Le Triceratops est herbivore. Putain, par contre, je suis deg d'avoir donné cet aspect à mon gars, il est dégueulasse. Oh, il est beau lui, hein! Putain, c'est classe, hein! Putain, il est pas tôt le con. Je pense que je vais le unrider parce que c'est. Wow! Alors, est-ce que je le traîne jusque là-bas et je le mets sur le feu? Ah oui, c'est vrai. Je n'ai pas regardé dans mon dino s'il avait de la viande sur lui. Putain, le mec, il oublie tout, quoi. Alors, mon feu de camp. Est-ce qu'il est pas loin? Alors, salut mon petit dinosaure. Je voudrais checker, je voudrais regarder dans tes fesses. Dans ton coffre, pardon. Bien vu, l'aveugle. Alors, je ramasserai le body après. Mon feu de camp, il est où? Comme vous pouvez le constater, mon sens d'orientation n'a d'égal que mon ignorance de ce jeu. Donc mon feu de camp, il est pas là. Hein. Donc là, je vais bientôt mourir, c'est ça? Il est pas là. Allez, il doit être sur le côté de là. Alors, j'aimerais bien voir le petit salaud qui a essayé de me tuer tout à l'heure. Tu pètes la gueule. Ah, et par contre, on prend masse baie. De les baies, c'est y'a que ça de vrai. C'est beau, hein? Ah, le petit compi. Oh! C'est bon, ça, c'est comme dans Jurassic Park. Cassez-vous là, mais t'as que quoi là? Tiens, mais d'abord je vais monter sur mon gros là. Non, par contre, vous avez pas le droit de tuer mon. Compi, le Compsognarius là. Putain, je suis moche hein. J'ai fait exprès de faire mon gars moche, mais. Ah non, c'est vrai, je voulais voir le Diplodocus. Diplodocus ou Brachiosaur, on sait pas trop. Putain, c'est classe, j'ai même rangé ma. Waouh, donc du coup, il y a un moment dans le jeu. Waouh, putain, c'est classe. Moi, j'aime beaucoup. Je vais même. Eh bah, tiens. Ah oui, il est 2h du mat, tiens. Ah ouais, putain, j'ai joué une heure. Waouh, la grande queue, trop classe. Et c'est beau, hein. Et du coup, on peut apprivoiser peut-être toutes les espèces. Waouh, c'est trop classe. J'adore. Salut! Je voudrais. Waouh! Salut!
Ouais, j'ai que des herbivores devant moi, c'est normal, mais. Je sais bien que c'est des herbivores, mais il n'empêche que je doute que. Dans la vraie vie, dans le temps, ils cohabitaient comme ça sans s'énerver les uns les autres. De plus, ils devaient être peut-être même en troupeau. Et enfin, il est possible que ces espèces de dinosaures ne se soient jamais côtoyées sur la même échelle de temps. Mais merci pour ton arrivée, mon petit Zidix. Mais je m'apprêtais à quitter. Oh putain, mais non, mais t'es qui toi? Eh oh! Waouh! Ah d'accord, oui. Oui. Putain, level 21, ça déconne pas quoi. On m'avait dit, méfie-toi des piranhas. On m'avait dit. Salut! Bon, j'avoue en fait. On peut créer d'autres personnages quoi. Est-ce que j'avais tout récupéré ça? Non, 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 non! Ah, super. Génial, excellent. Excellent. Et on remercie Zidix pour le follow. Et alors attends, ça veut dire que j'ai pas entendu le delinging sur mon layout. On peut voir que je suis mort là et là. Ouais, j'ai pas entendu le delinging. Bah merci pour le follow mon petit lapin, enfin cher ami. J'imagine que c'est mes remarques sur la pertinence de cohabitation des dinosaures qui t'ont fait dire, mon Dieu, il a l'air de savoir ce dont il parle. Alors qu'en vrai, je connais pas du tout ce jeu, hein, tout ça, tout ça. Alors on m'a dit qu'en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Non, c'est pas vrai, on m'a rien dit, hein, c'est une blague.